هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. بسم الله au nom d'Allah. Sans aucun doute, l'islam est la seule vérité. On trouve le pur monothéisme que en islam. Aujourd'hui, notre frère suisse, Inch'Allah, va nous parler d'un autre miracle scientifique dans le Coran. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Masse d'eau maritime, mêlée mais distinguable. Allah, exalté soit-il, dit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. » Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Sourate le Tout Miséricordieux, versets 19 à 22. Sourate Ar-Rahman. La vérité scientifique. L'on ignorait que les mers salées n'ont pas une composition homogène jusqu'à ce que cela soit révélé en 1873 par l'expédition de Schallenger qui dura 3 ans. Et ce n'est qu'en 1942 que l'on eut des résultats de longues études accomplies par des centaines de stations maritimes installées sur les mers et les océans. On trouva que les océans atlantiques l'océan Atlantique, par exemple, est composé de plusieurs mers et non d'une seule mer, bien qu'il soit un seul océan. Raison pour laquelle ces masses d'eau n'ont ni le même degré de chaleur, ni la même densité, ni la même salinité, ni les mêmes êtres vivants marins et ni la même capacité de dissolution de l'oxygène. Toutes ces disparités qui sont perceptibles dans le même océan sont encore plus aigus quand l'on compare plusieurs mers telles que la mer Méditerranée et l'océan Atlantique ou telles que la mer Rouge ou le golfe d'Aden, qui se rencontrent à certains endroits. Il faut signaler à cet effet qu'en 1942, l'on sut pour la première fois qu'il y a des mers dans lesquelles des eaux de différentes origines se déversent sans pour autant que ces eaux acquièrent des caractéristiques homogènes. En réalité, les eaux de mer ne sont aucunement stables. Elles sont en perpétuel mouvement, ce qui fait qu'elles s'entremêlent, mais tout en gardant leur spécificité concernant leur degré de salinité, de chaleur et de densité. Il va de soi que le flux et le reflux, les courants d'eau, les vagues, les tornades sont tous des facteurs qui favorisent le mouvement continuel des eaux de mer, mais sans toutefois que les masses d'eau maritimes, qui ont chacune des caractéristiques propres à elles, ne se diluent les unes dans les autres, ce qui donne l'impression qu'il y a une sorte de barrière qui sépare entre les mers qui se jouxtent dans un même océan ou un même endroit. Miraculeux. Aspect miraculeux. Les versets coraniques ci-dessus ont trait à deux mers salées avoisinantes qui s'entremêlent tout en préservant chacune leurs caractéristiques. Et ce, tout comme s'il y avait une barrière qui les empêchait de se diluer l'une dans l'autre. D'autre part, ces versets font allusion aussi aux perles et aux coraux que l'on ne trouve que dans les eaux salées, ce qui corrobore le fait que les eaux en question ici sont des eaux salées. Ce qui veut dire que le Coran parle des eaux d'océan et des mers qui ont des eaux salées, eaux qui apparemment forment une seule masse, mais qui sont en réalité des masses avoisinantes avec des caractéristiques différentes. Oui, apparemment, les océans et les mers salées qui se jouxtent forment une eau
une seule masse d'eau qui a des caractéristiques homogènes. Mais en réalité, ce sont des masses d'eau différentes du point de vue du degré de salinité, de chaleur et de densité. On ne peut se rendre à l'évidence de cette réalité qu'en utilisant les technologies modernes. Pourtant, le Coran a fait de ces mêmes réalités en mettant en exergue les différentes caractéristiques de deux mers salées qui s'entremêlent sans pour autant se diluer l'une dans l'autre, tout comme s'il y avait une barrière qui empêchait leurs eaux de se mélanger. Cela ne prouve-t-il pas évidemment que le Coran est la parole d'Allah ? Allahu Akbar.